Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui, on est reparti sur Fondation. La dernière fois, nous avons construit notre taverne. J'adore le design de ce bâtiment. Franchement, celui-ci là, qui est le salon où on reçoit les clients pour les servir de jus de baie fermenté qu'on obtient ici dans notre petite brasserie derrière, qui est pas suffisante aujourd'hui pour faire notre production. Parce que si vous cliquez là, je retire ça, vous remarquez que j'ai eu un stockage de 7 et que j'accueille 7 personnes. Et en fait, dès que ça arrive, il y a les clients qui arrivent à toute vitesse pour picoler, tout simplement. Donc il nous en faudrait une plus grande au niveau de la brasserie. C'est ce qu'on va lancer tout de suite comme chantier. On va aussi accueillir nos premiers citoyens, faire du verre, nos premiers projets. Ce sera bien. Oui, faisons une deuxième d'ailleurs. Ce sera mieux que de dupliquer la première, ce serait logique. Elles sont indépendantes. Voilà, très bien. Quoique non, on va pas les faire indépendantes. On va la dupliquer. Hop, on fait le même modèle. Voilà, très bien. D'ailleurs, pendant que je la place, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes sur Fondation et laisser un gros pouce bleu. Comme ça, c'est fait. La petite cheminée qui va bien. Et enfin, la porte ici. Ok, on place mieux ça pour bien aligner comme ceci. Très bien. Et tu construis. Très bien, et t'es prioritaire surtout, il n'y a pas de problème. Un messager requiert une audience, qu'est-ce que tu veux? Accueillir des moines, oui vas-y, viens et prends ça en plus, c'est cool. Parfait, on va continuer comme je disais d'accueillir des gens dans notre ville. On a plein d'emplois à pourvoir aujourd'hui, des marchands là-bas, parce qu'on a fait un deuxième village pour du fer ici. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je leur attribue des ressources à vendre. Viande, mais pas viande, qu'est-ce que je raconte? Des baies, très bien. Il me faudrait des transporteurs, des cueilleurs. C'est où ça? C'est là et là, hein. Oui, c'est bon, il y a bien les 5. Il me faudrait un roturier. D'accord, un roturier. Toi, tu es roturière, merci. Et on te met au tisserand. Et on va surveiller la laine parce que, ouais, oui, j'ai rien en sortie de production. C'est que j'en produis pas assez. On pourrait demander plus de moutons. On va faire ça. On va un tout petit peu plus de moutons. En se disant que ça peut produire peut-être un peu plus. Je suis pas certain. Je pense qu'il y a un seuil après, à partir duquel après ça arrête. Et donc on va demander directement à produire plus de laine. Elle est où cette laine? C'est pas là. C'est dans la production de biens. Ici. À la bergerie. J'en voudrais une. Ici et l'autre, on va la mettre là. Très bien. 4 nouveaux arrivants, bienvenue. On a toujours de la place pour des gens. De la place pour par exemple un marchand supplémentaire. On va aller voir son étal directement à lui. Attribuer du poisson. Voilà. Mais ça on peut pas encore. Bah des transporteurs. Hein. Voilà, comme ça, ça celui-là il est plein. Très bien, on les remplit. Il faut les remplir. Excellent, on accumule aussi pas mal de minerais de fer, on a très peu de lingots de fer. On va aller donc dans notre village tout à gauche et demander à produire du fer. C'est pas là, c'est dans les ressources. Fonderie, ok, on va la placer là, ça me semble bien. Voilà, très bien, ça va nous permettre d'agrandir un petit peu ici. Excellent, alors ça va, évidemment, tous ces chantiers vont nous prendre énormément de temps, hein, parce que regardez, eux, ils ont même pas fini de couper le bois qui est là, malgré la demande de prix, que ce soit ultra prioritaire, ça va prendre son temps, et nous, on va continuer de pourvoir les postes, et on va aussi débloquer le verre. J'ai enfin trouvé où c'était, vous allez voir, c'est pas du tout intuitif, enfin moi je trouve que c'est pas intuitif, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est dans la voie commune, ici, le verre est présent sur cet écran, attention. Ici, dans les bijoux, parce qu'il y a la fonderie d'or, mais en dessous, il y a la fonderie de verre et l'atelier de joaillier. Le verre n'a rien à voir avec ça. On va le faire. Il va me falloir des citoyens pour faire la fonderie de verre, mais c'est pas très grave. Je vais demander à construire ici en logistique un nouvel entrepôt qu'on va mettre là. Ce sera bien, ici. Hop. Et on va demander à construire, c'est dans la production de biens. Pas du tout, de ressources, du verre, on va en demander. Il va m'en falloir si je veux faire des vitraux et trucs comme ça, donc on va en demander 2. Hop,
Voilà, très bien. Et après, j'aurai besoin de citoyens pour les mettre dedans. Bon. On les promouvra quand ils seront là. Il y en a 5 arrivants. Ça, c'est excellent. On va continuer à les placer. Puisqu'on a plein de bâtiments ici. Voilà, un berger supplémentaire. Très très bien. D'ailleurs, si la bergerie est faite, mettez-leur des moutons. Parce qu'ils n'en sortent pas de base. Voilà, sinon elle bosse pas. S'il n'y en a pas un, elle bosse pas. C'est ce qui me fait dire que si j'en mets plus, ça peut être utile. Il y a Angiola qui apporte 10 de bois. C'est très bien ça, dépêche-toi Angiola. Mais c'est Usa qui construit. Bon, en attendant, on peut passer 3 cueilleurs. Ce sera bien, il me reste une personne sans emploi. C'est pour ne pas bloquer l'immigration. Ouais, on est en moyen. Il faudrait que ça passe à plus haut, ce serait bien. Entrepôt construit, c'est celui de droite pour le quartz et le verre. On s'en occupe juste après que ça se soit fini. Si quelqu'un pouvait le finir, ce serait bien. Fonderie terminée. Ça aussi, on s'en occupe avec les nouveaux immigrants. Un jour, c'est toujours un emploi moyen. C'est pas juste. Je les affecte vite, hein, en fait. On a plein d'emplois en attente. La fonderie de verre est construite. Incroyable la vitesse à laquelle ils construisent tous les chantiers, sauf la taverne. Allez, la bergerie est faite. Voilà, plein de moutons supplémentaires. J'espère que vous arriverez à produire. Parce que regardez la laine, 36. Hein. J'ai bien fait, on a perdu 200 de laine le temps que je fasse ça. Très bien, ici on a dit qu'il fallait que j'attribue du quartz. On va en demander 200. On va demander du verre. Très très bien. Il me faudra des transporteurs. Ok, et j'ai 3 nouveaux arrivants. Immigration élevée. Ils vont vite être attribués hein, de toute façon. Allez, ils sont là. Et au passage, on a dépassé les 500 habitants. J'avais même pas remarqué. Vous, on a dit qu'il nous fallait... Non. Un roturier pour 2 roturiers. Voilà. Et si tu pouvais, toi, là-haut, aller nous chercher le quartz. Hop, un transporteur ici. Ce serait bien. Je crois qu'en plus... Il était pas stocké bien loin, normalement. Hein. Il était pas stocké du tout. Donc oui, on fait bien. Un messager requiert une audience, qu'est-ce que tu nous veux? Surplus de bière contre du tissu. Je saurais même pas où le stocker. Non, 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 vas-y, rentre chez toi. La bière c'est intéressant, mais je la vends pas, donc ça sert à rien. Fonderie de verre construite, on a tout construit là-haut, sur ce pôle-là. Ça, ça ne progresse pas, surtout que bon, si vous regardez, il manque 3 bâtiments. La cheminée, ça, sont construits. Donc 1, 2, et le dernier, la porte. Ils construisent la porte en dernier. Soldat victorieux, très très bien ça. Revenez avec des ressources, et ça construit même un petit bâtiment là. Intéressant. Et toi, t'as personne. Bon, c'est dommage. Toi, t'as 6 occupants, 0 roturier. Laissez-moi améliorer cette situation. Voilà. Améliorez-moi cette maison, hein. Vous pouvez normalement. Et nos soldats sont victorieux. Bon, ils ont rien rapporté de particulier. On a un représentant de l'évêque qui est là. Tu veux quoi? Des ressources qu'on a. On n'a pas beaucoup d'herbe. Hein. Vas-y, prends mon herbe. Et ça c'est fait, évidemment. On a eu aussi 4 arrivées. Ça c'est excellent. La taverne est toujours en galère. Hein, ça avance pas. Donc, parmi ces villageois sans emploi, on va les promouvoir à citoyens. Très bien, nos premiers citoyens, pour qu'ils nous fassent du verre. Ok, ça a besoin de charbon aussi. Très bien. On va donc refaire un stockage ici du charbon. On va le mettre là. Le charbonnier. Très bien. Et il me faut de la logistique donc pour mettre du charbon. Quoique toi le quartz. Oh si. Logistique. Non, ça sert à rien. Toi t'auras pas besoin d'avoir autant de verre. J'aurai jamais autant de projets. Très très bien en tout cas. Ça c'est bien. On avance. On va avoir nos premiers citoyens. Une première maison qui devrait évoluer là-dedans. Ça va être cool. Je sais pas où est-ce qu'ils vont la mettre par contre. Et on a satisfait les moines. Très bien. Ça c'est cool. Un peu d'or. On en manque hein, de l'or. On a que 5200 de max. Et 2800 en tout. J'ai remarqué aussi qu'on avait un problème avec les nobles. J'ai envie de faire un truc. Bon, les arrivants, ils vont attendre un petit peu. Construisez-moi
Galerie en bois courte. On va mettre ça là, là. Et ces deux là. Très bien. Par contre, c'est un petit peu dans le sol, toi. On va te remonter. Aussi haut. Ouais, aussi haut, ça passe. Très bien. C'est pour avoir un petit peu plus de trésorerie, ce sera bien. Donc les deux nouveaux arrivants, bienvenue. On va vous promouvoir, vous aussi, citoyen. Ça vous coûte cher hein, d'y mettre en citoyen, mais bon. J'avais ces deux bâtiments là, le sculpteur. On va pouvoir le mettre là. Et toi aussi, on va pouvoir te mettre là. Très très bien. Et commencer enfin à se produire. Il n'y a pas de verre. Ah oui, j'avais mis du charbon ici. Effectivement. Mais il n'y a pas de verre. Hein. Ouais, ouais, bah oui, vous bossez pas. Vous avez le quartz, mais vous n'avez pas le charbon. Et ce que je voudrais ici, c'est me démarrer un projet du grand vitrail majestueux. On a le roi moine ou mère et enfant. Bon, roi moine ici. Et mère et enfant, compliqué hein, parce que j'ai pas d'autres murs. On peut pas le mettre là. Je pourrais le mettre au milieu, mais ça sert à rien, ça serait pas visible. Ok. Mais tiens, il est pas construit, mais j'ai déjà eu l'achievement de construire le grand vitrail. N'importe quoi. Parce qu'il a commencé, certainement. Ah bah voilà, ils ont un peu de verre qui va se faire. Très bien, 36 de charbon, ça bosse. C'est cool. Parce qu'avec 36 de charbon ici, eux, ils vont pouvoir bosser et récupérer tout. Est-ce que j'ai une maison qui s'est améliorée dans la ville? Non. Bah, ils sont logés où, mes citoyens? La brasserie de baie est faite. Ok, il nous faut 7 roturiers de plus. Ça va être compliqué. Il y a encore tellement de postes à pourvoir. C'est dur. Hein. Même lui, il va falloir qu'on mette 3 serres. Ah ouais, non, mais ça en fait du monde. Et on a eu seulement 3 nouveaux arrivants. Ça fait pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour le charbonnier. Hop, hop, hop. Comme ça, on va avoir le verre. Et vous trois, évidemment, roturiers. Pour que vous embellissiez notre ville. Ce serait bien. Vous êtes logé où? Je suis curieux. Où est-ce que t'habites? Voir la maison. Celle-ci. Elle peut pas être plus belle? Ah, c'est dommage. D'accord, donc dommage. Il peut pas devenir plus belle. Pas devenir plus belle. Bah, tant pis, hein. Tant pis. Au passage, d'ailleurs, ça me fait penser que je peux promouvoir aussi mes moines et mes soldats. Il me semble. Voyons voir. Oui. Bon, après, ils ont besoin de marchandises et de luxe. Ça va être dur, ça. Les moines. Ils ont besoin du cloître. Allez-y, on va en mettre 5. C'est pour le principe. Ils seront peut-être un peu plus heureux. Miliciens, soldats. On va en promouvoir 5. Ce sera bien 5. Ça me permet normalement de les avoir en plus fort. Même si c'est pas très utile de les avoir plus fort. Oui, j'ai rien de très d'ultime en difficulté. Il y aurait des lances ici potentiellement. Ouais, j'ai des soldats à 30, vous voyez. On peut en envoyer quelques-uns comme ça. Formés entièrement. Oui, voilà, 5. Très bien. Les nobles, vas-y. Prends-en un à 20. Ah oui, lui, il était promu. Oui, effectivement. Audric. Le coup ne peut pas être payé. Et maintenant? D'accord, bah tant pis, tu seras pas payé. Très élevé. Go. On les envoie tous, hein, le maximum. Maximum de missions en parallèle, ça rapporte des ressources. Voilà. Facile, chasser des vermines. On envoie un soldat. Voilà. Très bien. Et là, très facile. Évidemment. Voilà, très élevé. 3 soldats aussi. Ok. Bon, ça c'est fait. C'est bien. J'ai même pas regardé si j'avais plus de lances. J'aurais peut-être dû. Bon, c'est pas grave. Ils reviendront peut-être avec des lances. On verra ça après. La maison ici s'améliore. Excellent. Ici, les maisons, il n'y a personne. Il y a une personne ici. Et on a 3 nouveaux arrivants. Ok. 3 nouveaux arrivants qu'on va envoyer à la taverne directement. Ici. Hop. Donc je n'ai aucun intérêt à promouvoir mes...
mes habitants au-delà de roturiers, pour l'aspect esthétique de la ville. Et on va rapprocher le puits. Il est trop loin, je trouve, de la taverne. Si je pouvais leur faire gagner un tout petit peu de temps. Allez, vous mettez même le saut du bon côté. On va la mettre là. Voilà, très bien. Ça produira un petit peu plus de baies, parce que 24 par semaine, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et ici, vous avez des choses ou pas? Non, on n'a rien. Mets-moi des baies ici, ça, on n'arrive pas à stocker le jus, donc ça sert à rien. Pourtant ici, on en a 3 et un de trop. Ouais, on avait un de trop. C'est bien ça, si on peut s'éviter ça, allez-y. Hein. Il a enfin mis des baies ici, 48. Ils ont peut-être moins loin à aller. C'est même pas dit. Ouais, ils ont été ramassés déjà. Une trentaine qui part pour la... pour ça. Un villageois sans emploi. Oui, bien sûr. Mais tu vas en trouver, normalement. Tu vas en trouver. Là. Voilà. Très bien. Il y a un nouveau récit. Peut-être entendu. Surplus de baies. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est qu'ici, on fabrique toujours des baies. Alors que ça me sert à rien. Prenons le jardin. Les bâtiments. On démolit. Hop. Et hop, et on va demander à construire à la place donc deux herbes en jardinière. Ce sera mieux. Produire un petit peu plus d'herbe. C'est notre seule production pour l'instant. Très bien. Ça coûte pas cher. On peut se permettre. Ça nous met deux personnes sans emploi, hein, évidemment. Bon, ça arrivera. Ok. Ici, ça produit plus ou pas? C'est même pas dit. Trois nouveaux arrivants. Là, ça va produire plus, c'est sûr. C'est dommage que ça me déplace à chaque fois ma caméra et je dois revenir jusque là à chaque fois. Vous trois. Voilà, vous êtes promus. Bienvenue. Et vous devenez brasseur. Il manquera juste un brasseur. Oui, 22 consommés cette semaine, mais je suis toujours au maximum de la fréquentation. Donc ça, c'est assez complexe pour lui. Ici, 11 baies, 0 baies. Soldat victorieux. Oui, super. Et on me dit toujours que je manque de zone résidentielle. Comment c'est possible? Allez-y, construisez là, si vous voulez, et là aussi. Et ici, on va lisser un peu. Pareil, là, ils construiront jamais sur les greniers, c'est pas grave. Ça, oui, bof. Pour le principe, agrandissez là, c'est un peu loin, mais c'est pas grave. Ça, je peux rien en faire. Et ici, manque de place. Essayez de me faire une petite maison là si vous voulez. Ça pourrait être sympa. C'est jamais, hein. S'ils y arrivent, ça peut être cool. Zone d'extraction. Retire-moi tout ça, ça fait du bruit pour rien. Voilà. Très très bien. Zone résidentielle. Non, mais il y a de la place là, hein. Pas de problème. Pour cette zone-ci. Et ici, il y a même quelques maisons. Pour les roturiers. C'est cool. Et nos soldats sont en train de rentrer. 31 de baies. C'est génial ça. Est-ce que ça apparaît directement ici? Là. Oui. Parfait. Donc eux vont venir. Un messager requiert une audience. Oui. Grâce à votre commerce régulier, la saison dernière a été bonne pour nos voisins d'Horsbury. La baisse reconnaissante a négocié le prix avec leurs marchands qui sont maintenant prêts à offrir des prix réduits sur certaines marchandises à des moments précis. En échange d'un volume commercial accru. On en vend plus pour gagner plus, pour l'achat. Mais non, mais je veux... je veux bien essayer, mais on va rater. 2500, c'est beaucoup sur 4 semaines. On va essayer. On va essayer d'ailleurs. Notre laine, on en est où? Elle stagne. Il nous en faudra plus. 3 nouveaux arrivants. Très bien, bienvenue. Ces 3 nouveaux arrivants, bah comme d'hab, on va vous promouvoir en roturier. Voilà, et vous allez finir de bosser à la brasserie. Et on va voir où il y a de l'emploi à pouvoir. Je pense ici, 3 et 2, on est bon. Ici, on a 1, j'en veux 3. Et toi, j'en veux 0 parce que je peux pas. Très bien, voilà, ça va commencer à produire un peu plus de baies, ça va nous aider. Toi t'es en train de grandir, c'est excellent.
Et ici, ça produit, ça, ils ont consommé 23, mais il n'y a pas de production parce qu'on n'a pas de baies. Pourtant, on a 29 et 25. Venez bosser, quoi. Les soldats sont de retour avec 10 épées et des outils. Très bien, on va faire un truc. Les chefs-d'œuvre, on les a commencés. Je vais demander à faire la taverne. Je sais plus où c'est. Taverne, voilà. On va reconstruire une qu'on va placer ici. Avec juste un comptoir de service. On va essayer de faire un truc un peu joli aussi, comme on avait fait de l'autre côté. Là, bienvenue. Merci, ils sont de retour. Construction de jardin monastique terminée. Très très bien. Je voudrais un balcon qu'on va mettre là. Et donc on va surélever pour que ce soit plus joli. Mais tourne. Ils sont de retour aussi. Très bien. Voilà, je veux faire tourner ma carte. Merci. Il va me falloir une porte. On va la mettre là. Très bien. Toi, on va te mettre un balcon ici. J'aimerais avoir ça là peut-être. C'est pas le bon. C'est lui que je veux mettre ici. Au milieu. Ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Toi, tu te tournes, tu te mets là. Voilà. Un peu plus sympa comme ça. Avec des cheminées. Là. Je peux pas te mettre plus haute. Oh, t'es pas mal, hein, déjà. Et une autre là, mais toi, je dois pouvoir te monter. On va te mettre là. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a autre chose à placer? Oui, on a autre chose. On pourrait placer des balcons comme ça. Petite terrasse. On pourrait mettre. Ouais, là. Très bien. On a des balcons élégants aussi. Qu'on pourrait mettre là, au-dessus de la porte? Non. Si, on peut le mettre au-dessus de la porte, hein. Ça, c'est pas trop gênant. D'ailleurs, on peut le monter peut-être un peu plus, lui. Non, on peut pas. Ça monte pas le balcon. Ok, ça, on peut pas le placer. Il y a aucun personne qui veut l'accueillir. D'accord, il me faut une porte quand même. La porte. Si c'est pas ici, ici ça sert à rien. On va la mettre là. Très bien. Il y avait une fenêtre? Non, il n'y a pas de fenêtre. Très bien. Ouais. On va accepter. Et pourquoi je mets pas de brasserie? C'est qu'en fait, on va commencer à faire du houblon. Ce sera bien d'avoir du houblon. Ce sera suffisant. Une foire aux baies. Cueillir deux fois plus. Foire aux baies, vas-y. Très bien. Ce sera cool. On en est où de nos ventes? 854. C'est pas mal. Il reste. J'ai pas de durée là-dessus en fait. Ah si, sur 28 jours. Je sais pas combien on en a vendu. Très bien. Zéro personne sans emploi. Combien de. Ouais, ça. Effectivement, bon, il reste quelques cueilleurs de baies. Mais ce sera bien. On a dit qu'on voulait faire du houblon. C'est la production de nourriture. Il me faut des fermes à houblon et faire la brasserie. Ferme à houblon. Je devrais pas en avoir besoin de beaucoup normalement. Ici. Ok, on va en faire deux. Commencer. Voilà, très bien. Et on a dit une brasserie. La brasserie, ils aiment pas être à côté. Effectivement. Là, très bien. Faudra de l'eau. S'il faut de l'eau, prends un puits. Va pas trop loin. Deux nouveaux arrivants, seulement deux. Vous exagérez, j'ai plein d'emplois partout. Très bien, ils sont de retour. J'ai même pas vu ce qu'ils ont rapporté. C'est pas grave. Voilà, venez là. Je ne trouve pas de divertissement. Ça va venir, le divertissement. Ça va venir. Un jour, on aura de quoi vous sustenter. Je sais plus comment ça fonctionne, ça. J'imagine qu'il faut construire autour des champs. C'est pour ça que je les ai espacés. Et encore deux arrivants seulement qui nous rejoignent. Quel dommage. Plus, ça aurait été bien quand même. On en est où de notre projet ici de construction? 0 sur 1. Oui, j'imagine que c'est lui qui le construit. Il a 68 sur 100. D'accord. Ça galère parce qu'on manque de quartz.
Bizarrement, on manque de quartz. Là, il y en a zéro, ça doit bosser à fond, ça doit tout récolter, mais ça galère. Un marchand qui a une audience, il attendra. Parce qu'ici, on a des baies. Enfin, des baies dans des... Du houblon à planter, vas-y, comme ça. Très bien, et hop, on en met deux. Parfait. D'ailleurs, vous deux, en fait, vous allez évidemment être des roturiers. Merci. Le marchand, qu'est-ce que tu voulais? Recherche de minerai de fer. Non. Je vois pas comment on peut accumuler du minerai de fer sur cette carte. Avec tout ce qu'on a découvert et... Ouais, pourtant, c'est pas mal étendu, hein. Donc, non, je crois qu'on les a tous. Non, il manque peut-être ça. Même pas dit. Les villageois qui quittent. Mais aidons-les. Augmenter le bonheur de tout villageois à 25%. D'accord. Représentant de l'évêque. Tu veux quoi? De la nourriture. On manque de pain. En stock. On mange juste de pain en stock. Ok, très bien. Ça c'était livré, c'est cool. Faut qu'on fasse attention à nos réserves. Hein. Ah, il y a 100 nœuds en transit, d'accord. Ouais, ça devait être le début. Non, c'est même pas le début de la semaine. Faut que ça s'améliore. Faut que ça arrive à planter aussi du blond, ce serait bien. Visiteur ravi, 95%. Villageois ont des besoins, oui. Augmenter le bonheur de tout villageois à 25%. Il y en a qui sont pas heureux. Lesquels ne sont pas heureux? Marchand. Où ça? Ici. Pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi t'as zéro? À cause d'événements. Nourriture 1 sur 2, pas de divertissement et les impôts. Et j'ai besoin de divertissement. Ouais, ça va venir. Oh là là. Toujours à se plaindre. Deuxième ferme construite. Qui va avoir des problèmes, elle. Parce qu'elle est très très mal placée. Puisqu'elle est dans la forêt. Extraction. Si jamais il y a des bûcherons qui n'ont rien à faire, ils viendront là. Trois nouveaux arrivants. Ça tombe bien, on a une nouvelle ferme. L'autre bout du monde, par contre. Voilà. Et vous, vous êtes aussi des roturiers. Très bien. Brasserie construite. Ici, il me faudra un roturier. Qui a besoin de blé, de houblon et d'eau. Ah, il va quand même falloir du blé. Blé, j'en ai un peu. Ok, soldats victorieux, ils sont de retour. Très bien. Et toi, tu galères toujours sur ton divertissement? Alors qu'on a fait une autre brasserie. 32 seulement en consommé. Ils en produisent un par semaine. Chacun. On est jour 5. Faites-en au moins 2, faites semblant. Il y en a 18 par contre, oui. D'accord. Un peu plus. Très bien. Ouais. Donc... que ça plante. Non, c'est pas la période de l'année où on plante. Ils arrivent, les fermiers. C'est les périodes de l'année où on récolte, normalement. D'ailleurs, en fait, ce que je vais faire, je vais se retirer là et je vais te patribuer là. Voilà. Comme il y a plus de place, ici, on verra s'ils sont capables de travailler. La foire. Bonus sur le prix de négoce, plus 10% avec le tiers état. Bonus de commerce pour les baies, pour la vente de baies. Et bonus pour les villageois. Très bien, conseil suivi, la paix revenue dans le village. Très bien, vous voyez, je vous ai compris. On n'a plus de bois. Pourquoi ça part à cette vitesse? Peut-être à cause d'eux, je ne sais pas. Ou alors on a eu plein de constructions. Étrange. Allez, plantez-moi les trucs. Toujours en récolte, ça ne veut pas venir. Et on a trois nouveaux arrivants. Bah, très bien, ça va m'aider pour la droite. Donc, pour ma fabrication... Bah, il y a déjà quelqu'un qui est dedans. D'accord. Il me faut un roturier. Mais comment c'est possible? Bon, je ne sais pas. Ça a dû prendre quelqu'un d'ailleurs. Je ne sais pas qui. Vous trois, vous êtes roturier. Je devrais la tête arrêter. Pour que... Ah ben voilà, il manquait. Voilà, très bien. On a deux. Excellent. C'est bon, ça plante? Ça va planter. Très bien. Il me faudrait un grenier. Pour stocker toute cette... production. Enfin, cette double production. Ok, très bien. Il va falloir aussi une ferme, je pense.
production de nourriture, ferme. Qu'on va mettre, voilà. Il faut juste une, normalement. Pas besoin d'être qu'elle soit très grande, mais c'est pour avoir un... pour nous aider sur la fabrication de notre houblon. Vous plantez ? Il plante pas. État de la ferme, repos. Ah bah ça bosse dur. Il y a un messager, requiert une audience. Qu'est-ce que tu nous veux ? Accueillir des moines. Très bien, c'est ouvert. J'arrête de te vendre des trucs parce que ça commence à être complexe. On manque toujours de laine. Donc on va en refaire ici un petit peu. Bergerie. Là. Voilà, très bien. Et j'ai une personne sans emploi ? D'accord. Et bah si j'ai une personne sans emploi, deviens tavernier. Même si t'as rien à vendre. Taverne. Je veux que tu... qu'on t'affecte... la bière. Merci. J'en aurai là-haut. Un jour. Ben voilà, ils ont planté. C'est cool. Je sais pas si c'est assez ou pas. On verra bien. 4 nouveaux arrivants. Et ben, il était temps, tiens. En fonderie d'or. Un tuyau de joaillier, ça va attendre. Ici, des cueilleurs, non. Peut-être des transporteurs, ce serait bien un jour. Finir tous ces trucs-là, ce serait bien. Mais non, on va aller sur des roturiers encore. Hein. On va s'en... pour la taverne. Très bien, quoique j'aurais... peut-être dû garder pour ça, pour la ferme. Il y a le temps, je pense. Allez, taverne. On n'a pas de quoi, mais c'est pas grave. Ici, ça produit pas, hein, évidemment. Toi, tu vas contenir du blé, du pas de l'herbe, du houblon. Voilà, comme ça, ce sera bien. Très bien. Parfait, ça. J'imagine que ça doit produire à fond après. Et le deuxième grenier est fait. Stocke-moi plus de houblon, plus de blé et de la bière. Ouais, de la bière. J'ai stocké quoi ici ? 3 de houblon ? Non, de la bière. Je sais jamais. Si ça produit à fond, on pourra aller remplir ça. Ce serait bien. Et il faudrait aussi qu'on se fasse un bûcheron. Parce que ça partira jamais. Bûcheron. Qu'on va mettre là. Très bien. Et je vais lui demander... Ça sert à rien là. Non, attendez. Non, non, pas là. On va construire ça à côté. De manière plus intelligente, mon objectif est de défricher, gagnons du temps. Hop, extraction, tout ça. Ouais, tout. Défriche-moi ça. On plantera des vrais arbres si on a envie. 3 nouveaux arrivants. Ah mince. Attendez, les gens. Mais ils bossaient. Voilà, 3 nouveaux arrivants, parfait. Qu'est-ce qu'on a comme... Non, ça c'est... Il faut vraiment que ça, je le fasse vite. Donc on va attendre un tout petit peu avant d'attribuer les 3 gars. Voilà. Hop, on dessine le champ. Non. Raté. Ouais, c'est mieux. Le misclic. Hop, voilà, comme ça. Très bien. Lui, il a bien son puits. Il arrive... Il a son blé, il a pas son houblon. Ok. Très très bien, ça va y arriver, petit à petit. Au passage, vous trois là, vous êtes des cerfs, il paraît. Mais en fait, non. Vous êtes des roturiers. C'est pour notre ville en dessous. Qui a quand même une belle tête. Ici, ça manque de zone d'embellissement. Décoration, ordinaire. Placez-moi ça. Très bien, on va en placer quelques-uns. Très bien. Comme ça, toi, on peut promouvoir les gens qui sont dedans. Voilà. Parfait. Bon, évidemment, ils sont partis pour aller ailleurs. C'est le principe. Ici, t'es aussi hors zone d'embellissement. Mais c'est pas grave. Tiens, hop. Déménage. Il y en a 4 nouveaux arrivants. Et très très bien, ça, parce que j'ai remarqué, la production de la brasserie, elle est... excellente, c'est du 1 houblon pour 3 bières, donc ça va très très vite en fait, comparaison de la fermentation des baies,
c'est très bien, vous voyez, on a 12 bières là déjà qui sont en attente. Après, c'est bien gentil tout ça, mais en fait, il va me falloir des gens ici. C'est ma priorité. On va évidemment, hop, roturier, et vous deux. Je fais exprès de les attribuer le poste, puis de les promouvoir, parce que sinon, après, ils sont capables d'habiter dans d'autres villes. Là, il faut que ça s'améliore. Ouais, ils ont amélioré cette maison-là, ils sont en train de construire ici à fond, même s'il n'y a pas d'occupants dedans. Et ça, c'est à fond aussi, alors qu'il y a 6 occupants. Très, très bien, ça, c'est trop bien. Le nombre de gens qui sont là. Côté impôt, tout le monde est imposé. Excellent. Ça avance bien, là. Et puis, toi, tu produis à fond, t'as 12 bières. Toi, tu n'en vends pas, ce qui est bien dommage. Faut dire aussi, je pense qu'il faut que lui les récupère pour qu'il puisse les vendre. Et on a 4 nouveaux arrivants, excellent, ils vont pouvoir devenir bûcherons là-haut. Les bûcherons, par contre, ce seront les seuls que je ne promouverai pas plus haut, parce que je sais pas où est-ce qu'ils seront après. Mais là, ils vont me faire de la place sur tout ça, ce sera excellent. Lui produit vraiment à fond, on a des bières qui étaient stockées là, 54 bières là. Est-ce que toi t'en vends? Toujours pas. Tiens, un concept que t'as pas dû comprendre en fait. Faut que t'ailles chercher les bières maintenant. Ouais, t'as combien là? 54 bières, ouais. Et 0. D'accord. Ici, ça avance pas. T'en es où ton vitrail? 86. Il se fait pas, hein. Il faut qu'il avance quand même, qu'on le voit d'ici la fin de l'épisode. Ce serait cool. Et les bûcherons vont venir couper. Et ici, ce sera bien. Toi, t'as plus de houblon, forcément, parce qu'il faut que ça pousse. Mais ça va pousser petit à petit. Je me demande si on pourrait pas l'agrandir un peu plus. Bon, pour l'instant, c'est en croissance. On va éviter de s'embêter. Sinon, ça poussera jamais. Les fermiers, ils étaient vraiment trop petits, leur champ. Allez, les bûcherons, au travail. Voilà, ça va couper les 3 arbres là. Ce sera bien déjà. Très, très bien. Et toi, toujours pas de vente. Ah si, 81 de capacité. Fréquentation 0 sur 0. Comment ça, 0 sur 0? D'accord. Donc en fait, c'est pas. Il manque un bâtiment là. Il me manque le salon public. D'accord, ça les vend. Mais il faut le salon public. Ah! Est-ce que j'ai de la place? Il va falloir que je m'en trouve. Salon public. Qu'on va mettre. Trop loin. Peut-être qu'il y a moyen de mettre ça là. Très bien. C'est ça, ça va faire bizarre. Ça n'a pas besoin d'être très grand normalement. Les cuillères de baie m'embêtent. Mets-toi là. C'est pas besoin d'être très grand, mais... En fait, on peut y aller carrément, on est plus obligé de respecter la route. Ouais, on a juste besoin de respecter un petit peu l'élévation. Voilà. Ça... Ça aurait été mieux ici. C'est problématique. Viens... Là... On va mettre une autre porte de l'autre côté pour qu'il soit un peu plus facilement accessible. Peut-être dans l'autre sens en fait. Ça ici. Et toi. On met plutôt celle-là. Voilà. Ensuite, une cheminée. Voilà, tout sous une fenêtre, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit qu'on avait des balcons élégants. Peut-être les mettre cette fois-ci. Voilà, très bien. Pile au-dessus. Ça bloque personne. C'est imposant, mais c'est imposant comme il faut. C'est cool. Ça. Il veut pas les mettre. Je sais pas pourquoi. Fenêtre de toit, oui. Voilà, pas elle. Ça, on peut le mettre là, avec une enseigne d'auberge. Très très bien, et puis on va valider. Hein. Construire, vas-y. Voilà.
Mais s'il manque ce bâtiment-là, oui, c'est sûr, ça va rien vendre. C'est pas grave, au pire, on a accumulé de la bière. Et si ça coupe, c'est trop bien. Excellent. Il y en a deux nouveaux arrivants qui nous rejoignent encore une fois. Très bien, vous allez rejoindre la taverne. Hop, hop, merci. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Ça devrait être bon, ils devraient quand même venir ici. Hop là, ils sont à 8 sur 10. Excellent. Est-ce que ça avance? Non, mais oh, ils sont quasiment tout à portée. Il manquera juste les bras. Bon, en même temps, ils sont là normalement. Hein. Voilà, ça fait plaisir de le voir monter comme ça. Pendant qu'ils sont en train de construire, je vais envoyer l'armée faire des missions. Il n'y a que du moyen, hein, très facile. Ok, on va les envoyer. Hein. Hop, 40-40. Toi, il y a des lances hein, quand même. À un moment, prends-les. 40-40. Voilà, juste deux pour sûr de mission nulle. C'est bien. Voilà, j'ai pas besoin de plus, hein, on en profite. Ah, il en faut un de plus quand même. Ok, chasser les vermines. Il en faut 3. Dur, hein. Et entraînement. Il en faut 2. Voilà. Ah, il avait encore une mission. C'est pas là, c'était là. Escorter des marchands, c'est facile. Voilà. Allez-y tout le monde. Et pour l'instant là, ça a construit. C'est bien. C'est vraiment long à construire. Mais on va avoir le divertissement qui va arriver. Parce que là, on a 93 bières. Ça produit à fond. Hein. Vraiment, ça produit beaucoup plus la brasserie que les autres trucs. On va avoir du blé qui va se récolter là. Donc ça va venir dans les greniers à côté. Ça, c'est bien. Dommage qu'ils aient pas fait de route. Vous, vous coupez. Donc petit à petit, on va produire de plus en plus. Excellent. Et on a 3 nouveaux arrivants. Bon bah la taverne elle va être pleine. Ça c'était rapide, c'est cool. Grand livre, habitant. Ok. Malheureusement, c'est vrai, j'y pense, je peux pas les mettre directement dans la taverne. Il faut qu'ils soient déjà d'abord promus. Donc 2 ici. J'ai 2 et 2, oui. Voyons voir les bâtiments sans emploi. Bergerie, oui. Très bien, et c'est pas toi que j'aurais dû mettre, c'est pas grave. Crée-moi des moutons. Voilà, plein de moutons. Est-ce qu'on a récupéré un peu de laine? Pas du tout. On a du tissu? Pas du tout. Ah, compliqué ça. On consomme toute notre laine plus vite qu'on la produit. Dommage. Et c'est la viande aussi qui a bien diminué. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que comme je promeus beaucoup de gens, ils consomment plus. Donc il va falloir qu'on fasse plus de chasseurs. Ça tombe bien ici, on ne faisait rien. Avec tous ces bosquets d'arbres là qui sont là. Vas-y, un là, ce sera bien. Ok, construire. Zone de chasse. Vous chassez là-dedans. Voilà, comme ça, ça va justifier qu'on garde cette forêt. C'est pas les plus grandes, mais ce sera déjà bien. Il me suffira après de les attribuer et on sera bon. D'ailleurs, j'ai pas regardé le nombre de sangliers que j'ai. Je dois plus en avoir. Si, j'ai 331. Donc non, c'est le nombre de. C'est pas le nombre de chasseurs le problème. C'est le nombre de boucheries. Boucherie. Ah oui. Ah oui, j'en ai quasiment pas de boucherie en fait. Oui. J'avais pas mis ça là. Non, j'avais mis ça où, je sais plus. C'est pas grave, on va les mettre là. On va en faire 2. Très bien. Soldats victorieux qui vont rentrer. Et 2 personnes ici, représentants de l'évêque. Qu'est-ce que tu me veux? Du pain? Non. Non, galère de pain, c'est bon. On a des gens qui sont arrivés, c'est vrai. Où est-ce que je peux vous attribuer, donc, vous? Ici. Cueilleur de baies. J'étais à 3 et 2, c'est parfait. On aura vraiment... Ouais, c'est pas qu'on a besoin de baies, mais si je peux en avoir un peu plus pour que lui bosse, 41 baies consommées, ils sont à fond, ils galèrent toujours. Ici, est-ce que ça consomme? Oui, ça consomme, 53. Ah oui, ça consomme à fond d'ailleurs. Mais normalement, je vais me mettre à produire un peu plus, parce que je vais avoir plus de houblon. J'ai 42 houblons, 71 de houblon, je manque de blé. Non, j'ai 60 de blé. Bon, ça vient d'être récolté en même temps. Donc lui peut bosser à fond sans problème. Excellent, faut juste qu'il retourne au boulot. Voilà, merci. Regardez la vitesse à laquelle il produit les 3 de bière. Et il ne consomme pas tant que ça de ressources, donc c'est cool.
J'ai peut-être même mis pas assez de blé. Regardez la vitesse à laquelle ça part. Mais c'est bien parce que comme ça, eux, ça leur donne du stock. 88, boucherie construite, très très bien. Il me faudra deux serres ici, ok. Et eux, ils sont de retour. 47 jus de baie fermenté, un peu de blé. Bon, du fromage. Faudrait que je m'en fasse aussi un jour, à un moment. Deuxième boucherie construite. Venez, les gens. Venez. Immigration élevée, c'est bien. Et on en est où de notre vitrail? 95. D'accord. Dépêchez-vous aussi là-dessus, s'il vous plaît. Notre armée, faut qu'on l'occupe. J'ai une très difficile ici. Qu'est-ce que je peux envoyer? Est-ce que ça passe? Ça passe. Bah let's go. Et puis une moyenne. C'est pas suffisant. Annulé. On va prendre la facile. Et envoyer ces trois là. C'est pas suffisant. Et bah vous partez pas. Trois nouveaux arrivants. Très très bien. Ça me servir pour mes boucheries ça. Que j'ai placé là. Hop. 2. Et 1. Voilà. Si on peut avoir de la viande, ce serait bien. Parce que là, oui, c'est compliqué. Il y en a tout en transit. La bière, ils bossent à fond. Et ici, les ventes, elles se font à fond. C'est bien. On n'a plus de stock. Classique. Peut-être qu'il nous en faudrait une autre. On va voir si ça s'accumule, le houblon et le blé. Le houblon a l'air de s'accumuler. C'est le blé qu'on n'a pas. Mais on en aura de plus en plus avec la coupe du bois qui se fait. Nos soldats qui reviennent de bataille avec du butin, c'est cool. Toi, t'es à 97%. Est-ce que ça bosse? C'est un petit peu quartz, mais ça en consomme 6 pour produire un de verre. Ah oui, donc oui, pour en avoir 100, il faut 600 de quartz, quoi. C'est vrai que c'est long, dit comme ça. Eux aussi sont de retour, ils ont apporté un peu de fer et compagnie. Ok, ça va faire 2 de verre. On va passer à 99. Ok. On a personne sans emploi toujours. Hein. Il n'y a personne qui est arrivé entre-temps. Par contre, comme je produis vraiment trop de verre par rapport à ma quantité de quartz, je vais démolir ce bâtiment, cette fonderie. J'en ai pas besoin de plus pour l'instant. Et on va reconvertir les deux en brasserie. Ça me sera utile, je pense, un peu plus. Viens là et viens là. Voilà. Peut-être qu'on manquera de blé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a déjà les deux citoyens qui vont pouvoir être occupés. Bâtiment. Devenez des chasseurs. Hop. Très très bien, la viande est en train de remonter. Parce que je pense que oui, bosse à fond. Ouais, ça bosse à fond. Un sanglier pour 5 de viande, ça devrait aller vite. Hein. Oui, toi. Ouais, non, faut que j'attende d'avoir du monde. Un messager. Outil en surplus pour la bière. Non. La bière peut attendre. C'est dommage, hein, parce que maintenant on la consomme. Mais ouais, ouais. Ça va attendre. Ça c'est vrai, c'est bon, ils ont bien construit. Ils sont de retour. De la viande, du lait, de la farine, du jus, de la bière. Bien cette bataille. Bon, j'ai pas tout vu de ce qu'ils m'ont rapporté, mais c'est bien comme bataille. T'en es où? 100/100. Il est en train de fabriquer le vitrail. Enfin, et ça, les brasseries sont en train d'être faites aussi. Excellent, ça progresse. On va rester ici pour pas rater l'avènement du grand vitrail. Je sais même plus ce que ça fait, le grand vitrail, comme bonus. C'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Le grand vitrail, ça fait une nouvelle route commerciale a été débloquée. D'accord, pour un vitrail. Je vous voulais, on a mis des carreaux, quoi. Brasserie construite. Très bien, viens ici, roturier. Ce sera bien, on en a besoin d'avoir du monde ici. Et enfin, toi, non, ça avance pas non plus. Hein. T'en es où? C'est prioritaire. Bon, tu vas me dire que t'as pas d'autre boulot, normalement. La deuxième brasserie est terminée. Génial, on peut mettre notre brasseur dedans. Avec trois nouveaux arrivants. Excellent, je crois que j'en ai besoin pour un chasseur. Puis on va commencer à remplir. Hein. La boucherie aussi. Puis les transporteurs. Il va falloir qu'on remplisse nos bâtiments avec le monde. Ça ici, la fermée travaille beaucoup plus, c'est bien. Il reste encore un peu. Là, ça va travailler un peu plus. Les deux brasseries devraient se remplir. Voilà, celle-là, elle bosse à fond. C'est bien,
Celle-là, elle bosse aussi. Et celle-là aussi. Très bien, donc on devrait vendre beaucoup de bières maintenant. C'est bien, on devrait satisfaire les gens. Ça devrait nous aider à nous refaire de la trésorerie. Parce que mine de rien, elle galère. Ouais, c'est pas mal. Et toi, t'en es où? Ok, il prend bien son temps par contre. Vous pouvez pas bosser avant d'avoir tous les matériaux. Il y a même des gens qui trouvent pas d'eau. Ah, t'as besoin d'eau? Bah non, t'as pas besoin d'eau. Bon, dans le doute, ça coûte rien. Mets un puits ici. Si ça peut lui permettre d'éviter des allers-retours. On dit que vous avez réussi une fortune. Très bien. Les gens sont heureux que je sois riche. Mais c'est, d'accord. Ça me va, hein. Marchand s'approche. Oui, il faut qu'il se dépêche un petit peu. Il est en train de construire. On attend d'un bâtisseur, hein, mais ça progresse. C'est cool. Et on a 4 personnes de plus, sachant qu'on est dans une immigration maximale. On continue de les attribuer très rapidement. Hop. 6 heures de long. Ah oui, d'accord, j'ai des gens qui ont dû partir. Et toi, du blé pour les aînés. Non. Non. Non, mais non, mon blé, j'en ai besoin. Le pain, vous voyez comment il a diminué. C'est compliqué, ça. Heureusement que j'ai fait une ferme en plus, mais ouais, il va falloir qu'on gère notre pain dans le prochain épisode, je pense. La farine, elle tient, le blé, il tient. Bon, après, on vient de tout récolter. La bière, on a combien? 12 ici. Très bien, 0 bière, 0 bière. Ça aussi, c'est compliqué. Peut-être que j'arrête de promouvoir des gens, hein, parce que notre ville, c'est bon, on a le centre-ville qui est bien fait. C'est suffisant, à mon avis. Zone d'embellissement. Oui, bon, on va vous faire de la décoration, j'ai compris. Pas de chef-d'œuvre. On parle de décoration ordinaire. Prenez... une fontaine élégante comme ça. Eh, des pierres ici, d'accord. Prenez des ça, voilà. Très bien. Ce sera bien. Un roturier a quitté la ville. Mais non. Un transporteur. Bon, d'accord. Bon, peut-être. C'est pas grave, hein, si tu quittes la ville. Si t'es pas content, t'es pas content. C'est bon. Et notre bâtisseuse est en train de terminer le vitrail. Excellent. Allez. Finis-nous ça. Et elle va l'installer normalement ici. Enfin, il était temps qu'elle fasse ça. Elle est où? Je l'ai perdu de vue. Peu importe. Elle arrive. Elle est là. C'est fait. C'est fait, on a le grand vitrail. Enfin, on a ce grand vitrail. C'est censé nous avoir débloqué une route commerciale supplémentaire, si je me trompe pas. Ressources, route commerciale. Bah, il doit être débloqué. J'imagine. Ou peut-être qu'on l'avait déjà avant. 3 nouveaux arrivants. Très très bien. Les soldats victorieux. On va pouvoir attribuer ces dernières personnes au transport. Il faut un mineur ici. Ouais. Transporter. Voilà, très bien. C'est le roturier qui a dû partir de la mine. Ça me va, hein. Honnêtement, là, je suis plus à vouloir en mettre partout des roturiers. On n'arrive pas à suivre tous les besoins. Bref, on aura quand même bien progressé, hein, parce qu'on a enfin notre fabrication de verre. On a enfin notre houblon. On pourvoit normalement aux besoins d'à peu près tout le monde, puisque les gens sont heureux. Regardez-moi la quantité de ressources qu'il m'a ramené, lui. Pouf! Excellent. Je sais pas où il me stocke pour ce fromage. Est-ce que j'en ai seulement du fromage? 42. Oui. Je dois en avoir quelque part. Bref, on aura bien progressé aujourd'hui avec donc l'amélioration de la première taverne, l'amélioration de la deuxième, enfin construction d'une deuxième taverne pour distribuer de la bière, fait le grand vitrail, notre premier projet, la ville grandit. On a quasiment gagné 70 habitants, je pense, aujourd'hui. C'est juste énorme. Mais on arrive sur de la surpopulation, il va falloir qu'on gère nos ressources alimentaires. On commence à manquer de poissons, on commence à manquer de pain. Les vêtements, est-ce que ça remonte la laine? La laine, 56. Bof, hein, ça galère toujours. Bref, on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Et laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan.